Hey hey hey, cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo de présentation de CC et de mode aussi tant qu'à faire. Vous ne rêvez pas, vous avez bien des chevaux devant vous. Il y a quelqu'un, Necrodog, qui a créé l'un CC pour remplacer les vélos que nous avons dans le jeu. Donc du coup, il faut avoir le jeu à la fac, il faut avoir la donne à la fac pour ça. Qu'il a customisé les vélos, ils sont devenus des chevaux. Du coup, ça y est, pour l'instant, on peut avoir l'illusion de faire du cheval dans les Sims. Et en plus, qu'est-ce que je remarque? Eh bien que quand vous cliquez dessus, ben vous pouvez le nourrir et le pet, c'est-à-dire lui faire des petites caresses. Donc on va tenter ça tout de suite. Allez, tu peux me montrer comment tu peux nourrir le cheval. Ah, et en plus, il bouge! Ah, quand même! On dirait vrai, presque un vrai. Enfin bon, c'est un mode et tout ça, mais... C'est absolument choupi, en fait. Quoi? Attendez, il a parlé? Le cheval a parlé, les enfants? Ah ouais, quand même, il est allé loin, hein. J'aurais pas pensé. Effectivement, il a éni un petit peu. Oh, c'est énorme, je m'attendais pas à ça du tout. Du coup, tu vas monter sur ton vélo cheval. Et on va voir ce que ça donne. Oui, forcément, il y a un petit peu... Voilà, les jambes sont pas... C'est normalement aller à terre et tout ça. Donc, bah écoute, tu vas te déplacer. On va aller se balader dans le coin. Pourquoi pas sur la plage, tiens. Faire du vélo ici, plutôt. C'est beaucoup mieux comme ça. Et on va voir directement. Alors, effectivement, l'image est malheureusement saccadée. Et elle se déplace vraiment pas très 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 vite, hein, on va pas se leurrer, hein. Mais même le chien réagit, quoi. Mais bon, ça peut être sympathique si vous avez envie de créer une histoire où votre Sims est bien fait du cheval. J'ai envie de dire pourquoi pas. Nous voilà arrivés à la plage avec ce beau cheval. Je trouve ça énorme. En tout cas, l'illusion peut vraiment faire bien et je pense que pour quelques photos et tout ça, ça peut le faire. Bon, ça marche un petit peu moins bien effectivement au test. Ah bah, elle a rangé son cheval. Bah quand même. Bon bah, elle a rangé son cheval ici, je pense. Effectivement. Vas-y. Ah oui, c'était ce petit truc là bizarre dans l'inventaire. Et hop là, on grimpe sur le cheval. Qui est Ni? Attention, hein. C'est... Et qu'est-ce qu'elle fait? Ah bah, va se balader. Elle se balade. Bon, effectivement, ce qui est dommage, c'est que c'est hyper saccadé au niveau de l'image. C'est vraiment dommage. Parce que l'illusion, elle est quand même bien foutue, hein. Qui est vraiment très dommage, c'est que ça saccade énormément. Ouais, ils aiment bien, hein, ils se baladent quand même, hein. L'image, c'est vraiment dommage. Donc en fait, ça marcherait beaucoup plus si vous avez besoin de chevaux et que des Sims puissent faire du cheval. Ce serait plus logique de faire ça en photo parce qu'en vidéo, malheureusement, moi j'ai quand même un bon PC, vous le savez. Et ben, c'est quand même, le rendu n'est pas extraordinaire, quoi. Donc, c'est un peu dommage. Peut-être que le créateur mettra à jour pour que ce soit beaucoup plus fluide. En tout cas, l'idée est bonne et vraiment elle est très très sympa et je pense qu'il y a vraiment du gros potentiel derrière. Voilà, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cette petite vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu et que ce mode, s'il vous intéresse, eh ben, vous trouverez le lien dans la description. N'hésitez pas en tout cas à la partager, à mettre un petit comme, un petit like et puis je vous retrouve à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao !